sommes actuellement en route vers la résidence de France. Nous allons avoir un entretien avec les plus grands chefs des coalitions de mouvements rebelles du Nord, de la CMA, qui sont venus exprès du Nord Mali, hein, à Bamako, pour participer à cette réunion sur le suivi de l'accord. Ce sont des figures évidemment très importantes d'une des principales parties signataires à l'accord. Et donc nous aurons bon espoir d'obtenir leur analyse de la situation, de l'état de la mise en œuvre de l'accord, partager aussi leurs préoccupations ou leurs inquiétudes. Ça va ? Oui, très bien. Bon, en théorie, aboutir le 27 juin sur la négociation d'une nouvelle résolution, le renouvellement du mandat de la MINUSMA, qui devrait comporter, comme l'actuel mandat, des exigences précises, en fait, hein, des benchmarks sur la mise en œuvre de l'accord. Vous nous avez ici devant vous pour nous dire non, il faut faire, c'est pas bon de reculer, c'est pas bon de refuser, c'est pas bon. On accepte. Vous venez de dire, ce qui est nouveau pour nous, ce n'est pas en fait le fait que ça ne bouge pas. Concernant l'ambassadeur de France, nous travaillons régulièrement pour faire le point de la mise en œuvre de l'accord et également nous passons en revue quelles sont les possibilités, les modalités qui peuvent s'offrir collectivement nous pour qu'ils puissent davantage nous accompagner, souvent en tant que simples amis, parce qu'avec le temps et les échanges, nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier sincèrement, même si on n'est pas d'accord sur tout. Ce comité, il s'appelle Comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Il a été inscrit dans l'accord de paix de lui-même. Il s'agit de vérifier mensuellement l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord, l'état d'avancement des engagements qui ont été pris par les différentes parties, de vérifier les acquis et puis de presser, le mot n'est pas trop fort, lorsque ça ne va pas assez vite. Là, nous allons voir donc Maître Aruna Touré, qui est porte-parole de la plateforme, l'un des deux mouvements ou l'une des deux coalitions de mouvements rebelles du Nord. Qui ont signé donc l'accord de paix. Je pense que ça se présente bien. Nous sommes évidemment dans un contexte important, avec le renouvellement du mandat de la MINUSMA, avec une situation sécuritaire qui reste somme toute assez volatile. Mais on a des progrès aussi à faire valoir lors de cette réunion sur la mise en œuvre de l'accord, sur les volets politiques, sur les volets défense et sécurité, et sur les volets de développement. J'envisage le CSA de haut niveau avec un tout petit peu d'appréhension quand même, parce que il faut être honnête, ce qui avait été prévu n'a pas pu être accompli, notamment pour ce qui concerne les réformes institutionnelles. Et puis après, l'objet de ce débat de haut niveau, à mon avis, ne peut que concerner de façon principale l'instabilité, l'insécurité au nord et au centre. Une insécurité grandissante et sur laquelle, de toute évidence, aucune des parties n'a une prise quelconque. D'accord. C'est-à-dire, visiblement, on n'a pas les moyens d'empêcher cette crise de s'étendre du centre vers le sud. Écoute, Redouane. Ça va bien, très bien. Super. Je viens de la tournée, ça s'est bien passé. Oui. Voilà, j'ai pu voir les populations qui rentraient. Oui. Bon, c'était ça marche. Okay. Allez, on y va. Je pense que l'avenir du Mali dépend de ce qu'on fera de l'accord d'Alger. Et je suis confiant que la volonté est là, bien qu'on n'arrive pas à concrétiser certaines choses. Je pense qu'avec l'appui de la communauté internationale, on pourra avancer. J'en discutais avec Redouane de la CMA là, ce matin. Je pense que ce sera l'occasion pour la résolution de saluer la feuille de route, puisque normalement elle doit être signée au CSA. Ça a annoncé qu'elle serait présentée et signée devant le CSA. C'est ça, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est un échange avec notre mission permanente à New York.
York, pour faire le point notamment sur l'état des négociations de la résolution, renouvelant le mandat de la MINUSMA. On a généralement de nouvelles versions qui nous arrivent chaque soir, que nous découvrons donc le matin en raison du décalage horaire à Bamako, au-delà des instructions que Paris peut envoyer à New York, sur voilà, l'état de la réalité à Bamako, l'avancement du processus de paix, pour que la résolution, pour que ce que décide le Conseil de sécurité à New York, reflète au maximum la réalité du terrain. Ouais, salut Mathieu, ça va ? Comment vas-tu ? Ça va, très bien, très bien. Bon, écoute, je t'appelle parce que là, on a poursuivi les consultations hier sur le projet de résolution. Écoute, j'ai deux, trois petits points, si ça te va, ouais. sur le dernier draft. Bon, j'ai l'impression quand même que ça évolue d'une manière satisfaisante. Hein. Nous, on veut vraiment essayer de trouver quelque chose, un peu dans le prolongement de ce que vous nous suggériez, de qui soit utile. La mise en œuvre de l'accord, c'est la responsabilité des parties maliennes, mais aussi c'est la responsabilité de la communauté internationale, d'une certaine manière, puisque nous avons un témoin et garant de l'accord d'Alger. Donc, le rôle de Paris et New York, c'est de discuter avec les différents pays impliqués, la communauté internationale, je pense avec les pays membres du Conseil de sécurité, je pense aussi avec les Nations Unies, bien sûr, avec l'Union européenne, de trouver les voies, les moyens de favoriser la mise en œuvre de l'accord. L'action de l'Union européenne se concentre surtout sur deux actions, sur deux voies. La première, c'est la formation, et la deuxième, c'est le conseil. C'est vrai que la France considère d'abord que seule, elle ne peut pas agir, tout faire. Deuxièmement, il y a une demande des autorités maliennes, qui était aussi que l'Europe s'engage. Je rappelle que l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, au sein duquel il y a la France, bien sûr, mais c'est le premier bailleur. Donc nous devons travailler ensemble. Ce problème nous affecte à tous. La sécurité et le développement, également non seulement la sécurité de l'Europe, dépend de la sécurité du Sahel et de l'Afrique en général. Chaque année est renouvelé le mandat de la MINUSMA. Et donc, c'est un jeu d'acteurs, j'allais dire, entre New York, Paris et nous-mêmes ici, pour qu'on puisse, de manière coordonnée, là aussi, voir quelles sont les attentes communauté internationale, quelles sont peut-être les attentes plus particulières, voire les objections de certains membres de la communauté internationale au Conseil de sécurité. La France a deux rôles. D'abord, il est membre permanent du Conseil de sécurité. Il est porte-plume, celui qui rédige le projet de résolution sur le Mali. Donc, il a un rôle primordial. Deuxièmement, il est membre au niveau, ici sur le terrain, du comité de suivi avec nous. Mais également, nous avons des concertations avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Mais comme la France est le porte-plume, son rôle est prépondérant et c'est grâce vraiment à la coordination avec la mission diplomatique ici, l'ambassade, que nous avons pu coordonner, que nous avons pu réussir les missions de bons offices. Alors, les parties maliennes se sont réunies à l'avant-veille du CSA de haut niveau. Pour faire un dernier point sur les annonces qu'ils peuvent primer lors de cette réunion auprès de la communauté internationale et en tout cas montrer toute leur détermination à aller de l'avant dans le processus de paix. Je voudrais souligner et saluer la présence des leaders des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale à la signature de l'accord politique de gouvernance le 2 mai. Tous ensemble, ils sont venus témoigner de leur adhésion au consensus politique naissant. C'est là une situation d'une grande gravité qui n'est pas sans nous interpeller fortement et nous rappeler qu'il eût pourtant suffi que l'application de l'accord fût plus diligente pour que toutes ces armes encore en libre circulation dans le pays se soient tues et que la tragédie aujourd'hui vécue par certaines régions du Mali
et déploré par tous ne fut point. Chers collègues, pour honorer la mémoire... Donc c'était un CSA extraordinaire, puisque un CSA de haut niveau, au niveau ministériel. Je note que la première connotation politique, c'est la présence du ministre algérien des Affaires étrangères qui a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à aller de l'avant. C'est un CSA qui a permis de faire le bilan des 6 derniers mois, avec les avancées, mais aussi des messages forts, c'est-à-dire que ces avancées aussi, elles ont tardé. On est heureux qu'elles aient pu progresser, mais parallèlement, il faut faire plus, il faut accélérer les choses, et c'est l'engagement des parties maliennes, là, ce qui est très, très constructif, l'engagement commun des parties maliennes, qui est de dire, voici une nouvelle feuille de route, qui va pouvoir poursuivre, continuer dans les avancées déjà, les premiers acquis, pour aller de l'avant, et je crois que c'était le message principal de l'ensemble des intervenants, dont bien sûr de la France, de faire encore plus. Il revient justement à l'ambassade, de un peu chaque jour à nouveau de prendre le bâton de pèlerin et de rappeler à chacun, chaque parti, ses engagements. Mais on est optimiste, oui.